Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réduire une image dans GIMP. Ouvrons GIMP. Nous allons charger une image dans GIMP. Ouvrons Fichier. Ouvrir. Bien, cette image, nous allons déjà la mettre à l'écran de façon à la voir en entier. Nous allons pour ça appuyer sur CTRL et à l'aide de la molette de la souris, nous allons réduire. Allons dans Images maintenant et choisissons Échelle et taille de l'image. Nous remarquons que cette image est assez lourde puisque en largeur, on nous indique la largeur 3008 et en hauteur 2000, ce qui correspond à peu près à 3 MO de taille. Donc c'est assez important. Nous allons devoir la réduire. Nous avons souvent besoin de réduire une image, par exemple, de façon à pouvoir l'envoyer par mail, de façon à ce que cette image ne soit pas trop lourde. Alors la première chose à observer, c'est ici, à côté de hauteur et de largeur, il y a un cadenas. Ce cadenas, il peut être ouvert, ici, ou il peut être fermé. Il faut bien s'assurer que le cadenas est fermé. Je vais prendre l'exemple, par exemple, si le cadenas est ouvert, et si je veux réduire la largeur, je vais mettre 1000 en largeur, je clique sur hauteur, ici ça ne change rien puisque le cadenas est ouvert, et si j'appuie sur échelle, eh bien vous remarquez qu'il y a un petit problème, c'est que l'échelle n'a plus les mêmes dimensions. Par conséquent, nous allons faire CTRLZ pour revenir en arrière, et nous allons recommencer, nous allons appuyer sur Image, nous allons appuyer sur Échelle et Taille de l'image, et cette fois-ci, nous allons nous assurer que ce cadenas est bien fermé. Cette fois-ci, il est fermé, je vais donc remettre par exemple 1000 en largeur, je vais cliquer sur Hauteur de façon à ce que la correspondance se fasse, vous voyez que maintenant, Hauteur est 665, ensuite, je clique sur Échelle, voici, l'échelle maintenant a donc réduit l'image. Je vais maintenant dans le bas et je m'aperçois qu'ici au pourcentage il y a marqué 18,2%. Je clique donc sur l'index ici et je clique sur 100% pour ramener la taille de l'image correcte. À l'aide de CTRL et de ma molette de souris à niveau, je mets ça plein écran et je vais exporter maintenant cette image. Cette image, je vais l'exporter. Pour ceci, je vais faire Fichier. Je vais aller dans Export AS. Ici, je vais mettre un nom. Je vais mettre, par exemple, Jardinière. Je vérifie que j'ai bien le point JPG. Je fais Exporter. Je refais à nouveau Exporter, en laissant la qualité telle qu'elle est, parce que on nous indique que 97% c'est parfait, je clique donc sur Exporter. Et dans Image, à l'endroit où j'avais mon image, je dois récupérer mon image en question. Alors effectivement, j'ai maintenant Jardinière qui se trouve ici. Si je regarde la taille de l'image en faisant propriété, je m'aperçois que l'image fait maintenant 472 kilooctets. Si je prends l'image d'origine, je clique dessus, je regarde propriété, et effectivement, là, j'ai les 3 MO de tout à l'heure. J'ai donc, par conséquent, effectivement, particulièrement réduit la taille de l'image. Si cette taille ne me convient pas, eh bien, il me suffit de retourner dans GIMP et de changer à nouveau les paramètres. Les paramétrages, essayons par exemple, je vais faire image cette fois-ci, je vais faire échelle et taille de l'image, cette fois-ci au lieu de 1000, par exemple, je vais mettre 200, je clique également à nouveau sur hauteur, 200 sur 133, je refais échelle, ici j'ai 50%, je reclique 100%, voilà, et puis je peux à nouveau exporter mon image, là je vais mettre Jardinière, et je vais mettre à côté, je vais mettre Jardinière 2 par exemple, je vais faire exporter à nouveau, voilà, je réduis, je retourne dans mes images, j'ai effectivement Jardinière 2, cette fois-ci, si je regarde la taille de cette image, cette fois-ci, eh bien, j'ai 34,2 kilooctets, donc c'est particulièrement réduit. Voici comment l'on peut, dans GIMP, réduire la taille d'une image.
Si cette vidéo vous a intéressé et si vous souhaitez continuer à regarder les vidéos, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne.